Fouet. Arthur Pendragon. Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. 10 ans qu'on n'a plus vu son pif. Il est cané, le fils Pendragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait 10 ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon Dieu. Partout les seins. Non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, y a pas besoin de se lever. Ah, Seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose? Allez, en piste! Je me disais, ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance. Vous entendez quelque chose? Y'a un type avec une voix de con qui vient de dire, vous entendez quelque chose? Enfin, quelque chose de complètement informel, hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là! Comment ça se passe, cette petite résistance? Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin? Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie? Le fils Pendragon est de retour. Ah ben qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous savez pas faire ça? Entraîner les troupes? Oui! Les sièges? Vous faisiez pas avant ça? Bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » ? Bah, des fois que vous redeveniez roi. Quoi ? Oui, oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Ça...